Laos, c'est Anne Colori. Anne Colori, Bakou ou Laos. C'est pas comme en France, ça dépend de la région. La Mirabelle, Armagnac, etc. Nous, Bakou, non, ici, c'est la Colori. Laos, c'est comme ça. Après Laos, c'est la mienne. La mienne Laos. D'abord, à base, le riz bouillon. Typiquement Laos, nous, on mange le riz bouillon. La différence entre le riz bouillon et le riz blanc, c'est la cuisson. D'abord, le riz bouillon, avant de cuire, il faut laisser tremper les grains de riz, minimum 3 heures, minimum. Comme ça, la plupart des familles laotiennes et laotiens, le soir, avant de dormir, après faut avoir fini le dîner, avant de dormir, on trempe le riz. Et demain matin, on verse dans un panier. Voilà le panier comme ça, le panier. Voilà comme chapeau de monsieur de Napoléon. Ah ouais, 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 ouais. À vapeur, pour faire l'alcool, le riz bien cuit à vapeur, d'abord on lave le riz dans le bouillon, dans le robinet. On finit de laver, on mélange avec la levure. Mélanger avec la levure et laisser fermenter dans les jarres, dans la fermentation. La fermentation de riz. Voilà. La fermentation de riz. Pendant minimum 10 jours ou 2 semaines. 10 jours, 2 semaines. Et la levure, c'est à côté, la levure. Là, le truc. Ah, la levure. La levure, c'est ce qui est important là. D'accord. Alors, c'est quoi le problème? La levure, ça peut aller l'appareil de levure. La palette, on pile la palette à Paris de riz, on mélange une sorte de feuille. Ça donne l'odeur spéciale. Ça donne l'odeur spéciale. C'est pas ça. Et la feuille, c'est comme ça, mais il y a l'odeur spéciale. On mélange avec ça. Pour, voilà. Après, on laisse un petit peu de sucre. On arrose avec. Ça c'est l'alambic, le riz fait monter, on met sur ici. Ici, un peu plus haute, ça c'est la terre, qui est fermée, que la vapeur ne peut pas sortir. Un peu plus haute, il y a une espèce de coupelle inclinée par là, ça, le tronc ça sort par le tuyau. Et on met la bouche là. On met une autre. Ouais, ça commence à rouler là. On met une autre. Celui-là, on met l'eau froide. Monsieur, quand il fait chaud, la vapeur attaque avec le froid, c'est bien la condensation. Et le coup d'eau, ça tombe sur la coupelle, ça coule par là, c'est la colle. Ouais, ça coule là. Ouais, ça coule la colle là. Mais c'est pas la colle parce qu'aujourd'hui, c'est 15e ligne de poisson. 15e ligne de poisson. 15e ligne de poisson, c'est le jour de repos. Même on peut pas, on pas le droit de faire la distillation. C'est le jour de repos complètement. Ah d'accord. Pendant ça, maintenant une journée très importante, c'est la fête des morts. Ah oui. La fête des morts. Et il y en a deux fois la fête des morts chez nous. Première fois, la fête des morts, c'est le mois dernier, c'est 14e ligne des croisants du 9e mois. La fête des morts. Et maintenant, c'est en pleine ligne du 10e mois, encore la fête des morts. 14e ligne. Les croissants du 9e mois, la fête des morts, c'est toutes les familles préparent le gâteau, un bon plat pour offrir aux moines. On fait la quête, une importante quête. Après ça, on pose les gâteaux partout, par terre, sur le coin de la maison, sur le couloir. Parce que on pense, les bouddhistes, on pense, on ne sait jamais si l'âme, on pense avec la, on en croit avec la réincarnation. Fait du bien, le recevoir des biens, fait le mal, recevoir le mal dans la vie. Comme ça, en dehors de ça, si. On fait du bien, on donne beaucoup de donations à la pagode, on fait du bien, une bonne action, on va monter au paradis.
soirée incarnée, les meilleures étapes, comme le Guy serait un ministre de Guy, n'est-ce pas? Mais au contraire, attention, au contraire, ce qui fait du mal, mauvaise action, ne jamais donner de donation à la pagode au moine. Quand on sera mort, soit ton mère en fer, plus au moins. On rigole mieux. Plus au moins profond, il faut attendre 2500 000 ans, voilà. Sinon, réincarné sous forme des animaux. Sous forme des animaux, sous forme de l'état de guide, sous forme des mendiants, comme ça, des esclaves, comme ça. C'est comme ça, la croyance brise une jeune journée, l'âme achève l'enfer avec la porte. L'âme des défunts qui tombent à l'enfer, on a le droit de sortir pour retourner dans la famille, pour chercher quelques mérites de la famille. Il nous croche, il nous dit pas du tout, il n'y a pas ouvert dehors. Voilà, prends une photo là, pour le côté. Voilà. Et maintenant, la fin de mort, je raconte, c'est des offrandes. Maintenant, la fin de mort, c'est aussi c'est la fin de mort, chaque famille. On ne peut pas à l'abîme, c'est un sac plastique, ici c'est plus authentique. Dedans, ce sont ceux qui soit l'alimentation, le thé, le café, les boissons, je ne sais pas, les mêmes boissons, les bois de conserve, les habits des moines, même les habits. On met tout dedans. Et dans l'étiquette, c'est marqué. Par exemple, la famille de Bountan avec la famille a envoyé ce colis à mes parents. Je vous invite de reprendre tout ça, ayant la bonne de nous pour ma famille. Voilà, l'étiquette. Ça, l'étiquette. Et après, on va donner aux moines. Les moines récitent les thèmes. Tout ça, c'est tombé dans les mains de défunt. Et le verre, un peu de riz. Et ça, c'est après l'alimentation, tout ça, il faut donner l'eau à boire aussi. Ah, l'eau à boire. Parce que l'eau, c'est pas la chose. Oui, tout ça, on y a. C'est moi.